Mais où suis-je? Ce soir, Montréal.tv se trouve à la grande soirée Le Marchand de Venise de la Fondation Variety qui vient en aide aux enfants du Québec. Peux-tu m'expliquer en quelques mots en quoi consiste la Fondation Variety? Oui, la Fondation Variété a été créée aux États-Unis en 1927. Une mère de famille qui avait déjà 8 enfants s'est rendue compte finalement qu'elle n'avait pas les moyens de pourvoir aux besoins de son enfant. Alors, elle est allée devant un théâtre, elle a déposé l'enfant dans le théâtre. Et les gens du théâtre, il y avait un club qui s'appelait le Variété Club. C'était des gens de tous les corps de métier reliés au monde du cinéma qui se réunissaient une fois par semaine pour discuter. Ils ont trouvé l'enfant et ont décidé de s'en occuper. Alors, ils ont fait des collectes de vêtements, des collectes de bouffe, ils ont payé son éducation. Et la campagne a tellement eu de succès qu'ils ont créé l'année d'après, en 1928, la Fondation Variété. Et depuis ce temps-là, la Fondation existe et a ouvert des chapitres à travers le monde. Et au Québec, Variété Québec est ouvert depuis 2 ans. Et la particularité de la Fondation, c'est qu'on fait des dons directement aux enfants. Donc, on achète des appareils auditifs, des chaises roulantes directement aux enfants qui viennent de familles défavorisées. Alors, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas personne qui a fait un don, le don s'en va à quelqu'un d'autre. On achète vraiment les biens directement pour les enfants. Alors, on voit l'impact immédiat des dons. Mitsu, tu peux-tu me dire en quelques mots en quoi la Fondation Variety te tient-elle à cœur? Bien, en fait, c'est la première fois que j'assiste à l'événement parce que la Fondation est tellement jeune, elle a 2 ans seulement, donc j'apprends ce qu'ils font. Bien sûr, c'est intéressant parce que ça vient du monde du cinéma, donc je pense que c'est à Philadelphie, si ma mémoire est bonne, où on a trouvé un enfant dans un théâtre et l'équipe qui était là a décidé de lever des fonds pour cet enfant-là. Ils en ont levé un petit peu plus qu'ils auraient dû et ils ont décidé de donner ça à d'autres enfants. Donc, en ce moment, ça a été importé ici, cette fondation, il y a 2 ans, et on donne aux enfants d'ici qui sont dans le besoin. Myriam, peux-tu me dire en quelques mots en quoi la Fondation Variety te tient à cœur? Ben moi, j'ai voyagé énormément pour venir en aide à des enfants un peu partout. J'ai eu la chance d'aller visiter l'Honduras, le Sénégal, la Tanzanie, Haïti, République dominicaine, Cuba, Mexique. Et j'ai travaillé avec les enfants dans tous ces pays-là. J'ai fait du cirque. Donc moi, enfant, cause, ça va de soi. Ça va de soi. Ouais, vraiment.